Immortel, j'ai commencé à l'écrire quand je suis sorti du lycée. J'ai un peu rêvé de faire cette série avant même de rêver de faire le métier de scénariste. Donc il y a eu une espèce de process un peu inverse, on va dire. Je me suis dirigé vers des études de cinéma après mon bac et ensuite des études de production. Et donc moi, j'ai commencé par la production audiovisuelle à la base. L'organisation de tournage, le financement, ce genre de choses. Et j'avais toujours dans un coin de ma tête cette idée qui me poursuivait presque depuis quelques années. Et un jour, j'ai décidé que j'en avais assez de la prod et que je voulais passer à l'écriture. Et j'ai pris quelques temps pour poser sur le papier cette idée. Et ça m'a ouvert pas mal de portes. Déjà, les portes de la FEMIS où je suis allé faire la formation en série télé. Et dès ma sortie, j'ai pu commencer à bosser sur des projets de séries existants. J'ai bossé sur Scam France, par exemple, pour France TV Slash. Et très vite, j'ai pu présenter ce projet-là à un producteur, Gilles Deverdier, chez Mandarin. Et on est allé voir Netflix avec le projet Mortel. Et ça s'est passé comme ça, en fait. Netflix a dit oui assez rapidement. La seule personne que je veux buter, c'est le fils de pute qui a tué mon frère. Chez Netflix, il y a une valorisation du travail de l'auteur, du travail de celui qui arrive avec l'idée et celui qui en porte la voix. Ils sont très creative-oriented, comme ils disent. C'est une façon de dire qu'en fait, l'endroit d'où vient l'idée originale et l'endroit qui les intéresse, c'est l'endroit qui a de la valeur, on va dire, si on parle de façon purement technique. Et ensuite, on a commencé à développer pendant plus de 6 mois avant qu'il y ait des réalisateurs qui arrivent sur le projet. Donc avant même qu'il y ait cette collaboration qui naisse avec 2 réalisateurs par saison, j'avais dû déjà poser les bases de cet univers. Donc moi, j'avais déjà fait un dossier artistique. Il y avait déjà une bible artistique qui était assez fournie et qui présentait déjà les premières intentions de filmage et des intentions esthétiques très précises. On était allé jusqu'à choisir les chaussures du personnage principal avant même qu'il y ait d'autres personnes que moi et mes co-auteurs qui travaillons sur le projet. Donc en réalité, pendant très longtemps, c'est la voix de l'auteur qui prime, en tout cas en série télé. Faut juste que tu maîtrises, c'est tout. Toi, tu maîtrises. Ah, je suis dangereux. Vu que vous augmentez vos pouvoirs, c'est l'expression de qui vous êtes. Le choix des réalisateurs, c'est quelque chose qui s'est fait en collaboration entre mon producteur et moi, et surtout avec Netflix, qui avait des envies spécifiques. Mortel, c'est une série qui est spécifiquement ancrée dans la jeunesse et dans un truc très actuel et très moderne. Ils avaient une idée de continuité à l'endroit du réalisateur, c'est-à-dire qu'ils voulaient des gens qui puissent comprendre le langage, comprendre l'univers, et c'est vrai que ça s'associe quand même avec une certaine jeunesse, j'ai l'impression. T'es dépressif? J'étais en HP l'an dernier, mais là ça va, je suis bien, je suis mieux. Il y avait des intentions artistiques très fortes avant l'arrivée des réalisateurs. Moi, j'ai travaillé avec un directeur artistique qui est aussi un ami et qui est réalisateur avant tout, qui s'appelle William Labourie. Et en fait, on a ensemble travaillé sur cet univers artistique qui devait être celui de Mortel. Et par exemple, le choix de la contre-plongée, le choix de la courte focale, le choix d'un réalisme exacerbé qui clash avec un surnaturel hyper assumé. C'est quelque chose avec lequel je suis arrivé face à Netflix, en fait. C'était déjà quelque chose qui était acté. Et du coup, on a dû trouver des réalisateurs qui se sentaient à l'aise avec ce langage. Pour moi, à l'origine de tout ça, il y avait l'histoire de ces 3 personnages. Et en série télé, c'est la chose qui compte le plus. Il y avait un univers qui était déjà posé et qui est en même temps assez flexible, assez malléable, justement, parce qu'il est hyper pop, en fait. Et donc, du coup, on peut aller d'un côté ou de l'autre. Et en tant que réalisateur, je pense que c'était un projet intéressant aussi parce que le projet pouvait, en fait, se prêter à leur sensibilité.
Le métier de showrunner, c'est quelque chose qui est très nouveau en France. Et du coup, quand Netflix est arrivé avec la volonté de pousser des auteurs qui en avaient la capacité à devenir showrunner, la condition, c'était que les choses se fassent de façon assez progressive. Et donc, sur la saison 1, j'ai pris en importance, on va dire, dans le dispositif de tournage et de post-production de façon hyper progressive, ce qui a été une grande chance pour moi, puisque en gros, tout ne reposait pas sur mes épaules, en fait, à ce moment-là. Et du coup, ça a été une super façon d'apprendre. Comme je vous le disais, moi, j'ai un passé en production et une appréhension assez technique de l'endroit du tournage et de la post-production. Et c'est des choses que j'aime, en fait. J'aime parler de financement, j'aime parler de devis, j'aime la post-production presque plus qu'écrire. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui, pour moi, est venu assez naturellement. Bien sûr, le cœur de mon métier, c'est d'écrire, mais dans une série comme Mortel, qui a une direction artistique très poussée, et une autre dimension qui est la complexité de sa narration, la rapidité avec laquelle l'histoire se déroule. Ça donne en fait la légitimité à mon poste de showrunner, puisque sur le plateau, il y a un réalisateur qui est censé tourner des scènes dans le désordre, on appelle ça cross-border. En gros, il tourne tous les décors d'un endroit en une seule fois, et on change de décor tous les 2-3 jours, on va dire, et en réalité, dans une histoire aussi complexe que Mortel, c'est un travail de titan que de se souvenir de ce qu'on est en train de faire au moment où on est en train de le faire. Que ce soit pour les réals, que ce soit pour les scripts ou pour les acteurs, surtout pour les acteurs. Donc en gros, ma présence sur le plateau permet d'assurer à tout le monde la bonne marche du tournage, puisque tout le monde sait que ce qu'on est en train de faire, c'est ce que le texte demande, et que les épisodes du réalisateur du premier bloc s'inscriront dans la même démarche artistique et dans la même démarche narrative que les blocs du réalisateur qui vient après ou avant lui. Sur la saison 1, j'étais en train de finir d'écrire le deuxième bloc, donc les 3 derniers épisodes, pendant que le tournage des 3 premiers était en cours. Et du coup, je venais sur le plateau que quelques jours par semaine. Quand le premier réalisateur a terminé, il est entré immédiatement en salle de montage. Et là, le second réalisateur a commencé. Moi, j'avais fini d'écrire à ce moment-là. Mais ce qui est venu remplacer mes sessions d'écriture, c'est les sessions de montage, en fait. Et du coup, moi, j'étais sur le tournage quelques jours par semaine. Et je faisais des allers-retours entre la salle de montage à Paris et le tournage au Havre. Une fois que le tournage s'est arrêté et que les réalisateurs avaient chacun fait leur version de montage, c'est moi qui reprenais le montage et qui ai pu uniformiser le ton de la série, que ce soit dans son montage ou dans sa direction musicale. La série, elle est extrêmement musicale et c'est moi, avec la superviseuse musicale Jeanne Trélu, qui avons défini le son de la série. En saison 1, c'est de la façon dont ça s'est passé. C'était assez progressif, toutes les discussions étaient très collégiales et en réalité, tout le monde avait compris l'ADN de la série et du coup, il n'y a pas eu de gros désaccords, ce qui a permis à la série d'avancer dans une direction assez cohérente, j'ai l'impression. C'est toi, c'est les pouvoirs. En saison 1, je m'attelais surtout à ce que l'histoire soit bien racontée, à ce que, en gros, le côté assez épileptique et un peu survolté de l'intrigue ne perde pas trop les spectateurs et que la narration soit toujours au cœur de la série, malgré le fait qu'elle soit très esthétisée. Et du coup, toute ma démarche, elle était tournée vers l'histoire. Et vers l'intégration de la musique. C'était vraiment les deux pôles auxquels je pensais en premier lieu dans mes interventions et dans mes versions de montage. Et du coup, toutes nos discussions partaient de là, la compréhension et le rythme, quoi. En gros, faire en sorte que ça soit à la fois hyper intense et hyper rapide, mais très compréhensible. Et du coup, ça, c'est vrai que l'auteur est celui qui a la vision globale de la saison. A forcément un avantage par rapport à ce qui est nécessaire ou pas dans une scène, quoi. C'est
C'est venu d'une question, comment on pourrait incarner un fantastique français qui soit original et qui n'ait pas été vampirisé, sans mauvais jeu de mots, par la pop culture américaine. Et du coup, le vaudou, ça me semblait être quelque chose qui était assez ancré en France grâce à la population caribéenne et antillaise qui vit. Je suis prête, mamie. Tu veux quoi? Je veux apprendre. Tout ce que t'as toujours voulu m'enseigner, là, je suis prête. C'est trop dangereux, Lisa. Les dieux vaudous étaient déjà représentés comme ça à l'époque où on les a représentés, c'est-à-dire ils étaient habillés, enfin ils ont même des noms, le baron samedi, ce genre de choses. Ils étaient habillés en fait de façon un peu bourgeoise et de façon riche en fait. La réflexion était de se dire genre, qui vit une vie de faste actuellement, plutôt les rappeurs en fait, plutôt un truc de rockstar ou quelque chose de lié à la musique. Et donc du coup on s'est beaucoup inspiré de rappeurs américains comme A$AP Rocky ou ce genre de mecs qui sont des icônes de la mode en fait et qui nous ont semblé pouvoir porter quelque chose d'hyper décalé, d'hyper original et en même temps d'être dans une tradition fantastique centenaire quoi. Donc bon, c'était une des parties très clivantes de la saison 1, mais pour moi c'est sans regret parce que je l'avais jamais vu avant, donc je suis assez fier que ça soit dedans. Votre question, ça reste un mystère puisque en réalité, ils nous communiquent nos audiences, mais pas les audiences des séries qui sortent aussi sur la plateforme. Donc, c'est eux qui décident de l'intérêt ou pas de faire la saison suivante. Et c'est vrai que nous, en fait, on est assez spectateurs de ça. On fait le maximum de ce qu'on peut faire. Et ensuite, c'est eux qui nous disent si la réception leur convient ou pas. Non, je peux pas. En fait, c'est assez logique au final de se dire que je peux pas les communiquer puisque en réalité ça permet à Netflix de maîtriser la narration autour de leur série et de pouvoir dire si oui ou non ça fonctionne. Autant on bosse en totale transparence artistique et avec une énorme liberté chez eux sur toutes les questions artistiques, narratives, de montage. Enfin, il y a une liberté vraiment que je pense qui n'existe pas ailleurs. Par contre, cette partie-là est pour le coup assez mystérieuse, malgré le fait qu'ils communiquent les audiences, ça reste très mystérieux. C'est quelque chose qui, comme je disais, qui leur appartient et qui est décidé sur des histoires, je suppose, de catalogue et d'envie et de ligne éditoriale qui sont complètement extérieures à mon travail, en fait. On a pu bénéficier de l'architecture du Havre tout en bénéficiant de sa lumière qui est assez cool et en même temps d'être accueilli de façon beaucoup plus simple qu'on peut l'être en Île-de-France. J'avais pour but que la cité soit anonyme mais pas dans un sens péjoratif, dans un sens plutôt dirigé vers l'identification. C'est-à-dire que je voulais qu'on se dise que c'est un endroit qui existe partout en France. Le tag fait pas partie de l'esthétique de la série, pour le coup. Moi, je suis du 91 dans une ville considérée comme une ville dortoir, puisqu'il n'y a pas de centre-ville, il n'y a qu'un hypermarché. Et oui, il y a plus de cités que de maisons, mais en même temps, c'est un univers périurbain, exactement le même que Mortel. En fait, ma première interrogation, quand on m'a dit « Ouais, on va aller en repérage au Havre », moi j'ai dit « On va tourner où vous voulez, tant que ça ressemble à chez moi, en fait. » Je pensais que c'était comme ça qu'on allait se démarquer du reste des productions américaines en faisant quelque chose de très français, de très réaliste. Pense à Louisa. Et je crois qu'elle a des sentiments pour moi. C'est impossible. Bah pourquoi c'est impossible? Personne ne peut tomber amoureux de moi. Qu'ils aient l'air de jeunes de leur époque et en même temps qu'ils aient la capacité d'incarner un fantastique crédible, puisque ça a toujours été une des volontés de Mortel de pas freiner des quatre fers devant le fantastique. Et du coup, il faut que les gamins ils soient capables d'avoir une conversation sur le cyberharcèlement, puis ensuite de dire que s'ils doivent aller à cette soirée, c'est parce qu'un dieu vaudou les oblige à le faire, quoi. Je suis
hyper fier de ce qu'on fait, en fait, dans Mortel. Il y a des conversations entre adolescents qui se passent dans des chambres qui ressemblent à la chambre de tout le monde, où ils se disent des choses hyper intenses sur l'amitié, sur la toxicité des relations à cet âge-là. Et à côté de ça, on va faire des bastons avec des super pouvoirs. Et ça, j'en suis hyper fier, en fait, du mélange de ces choses-là. Dans la saison 2, on a essayé de pousser encore plus les contrastes, en fait, entre ces deux pôles hyper importants de la série. Il y a une scène qui est à la fin d'un épisode très spécial pour moi, où en réalité, c'est l'épisode 5 de la saison 2, où après un épisode 4, où on a fait une énorme baston en forêt avec des grues, où la référence c'était Dragon Ball Z et Tigre et Dragon, on est allé faire un road trip qui est hyper influencé par le film Itumama Tambien de Alfonso Cuarón, qui est mon film préféré. Trois personnages principaux partent faire un road trip qui est l'occasion pour eux de se replonger dans les souvenirs qui nous expliquent en fait pourquoi les personnages qu'on connaît depuis plus de 10 épisodes sont comme ils sont. J'avais un espèce de fantasme de la writer's room et tout. Vraiment, ça me semblait être une façon de créer qui était hyper intéressante. Quand j'ai signé le projet avec mon producteur, immédiatement, je lui ai dit que ma volonté, c'était d'être showrunner et que je voulais écrire avec une room. Et il m'a dit, mais bien sûr, on va le faire. La personne qui m'avait donné envie d'écrire, c'est Virginie Braque, la scénariste de Engrenage, chez Yann et Lola, etc. Et on se disait que c'était pas du tout son univers, parce que voilà, elle est connue pour un autre type d'histoire. Et en fait, elle a dit, mais super, ça m'amuse trop. Et elle est venue, du coup, bosser avec nous. Yann Le Gall, qui est un auteur qui a créé une tonne de séries et qui a écrit pour tellement de programmes différents, qui est un peu comme un mentor pour moi, a tout de suite dit oui aussi pour venir. Et j'ai aussi engagé deux autrices, Fanny Talmon et Lola Roqueplot, avec qui j'ai fait La Fémis en série télé, qui sont venues écrire avec moi. Et en saison 2, nos mentors et les auteurs seniors qui sont venus pour m'accompagner sont partis, en fait. Et moi, j'ai continué à écrire avec Fanny et Lola. Et deux autres auteurs, Marine Josset et Jules Lugan. Et donc, du coup, oui, mon travail au quotidien, c'est de venir dans une pièce et de dire, bon, voilà ce que j'ai envie de faire. Ça fonctionne de façon hyper différente selon les rooms, mais en fait, dans Mortel, je suis arrivé avec 10 ans de matériel. Je savais ce que je voulais faire. Et en fait, leur travail, à mes co-auteurs, je pense, il a consisté à sans cesse remettre en question, de façon hyper positive, bien sûr, ce que je voulais faire, en fait, et à trouver la meilleure façon de le faire. Quand les personnes amènent, c'est un terme très américain, mais amènent la bonne énergie, il y a une espèce de symbiose et il y a quelque chose d'assez magique qui se crée. Quand la bonne idée est là, il y a une vibration en fait commune et tout le monde sait que c'est ça qu'il faut faire. C'est pas parce qu'il y a showrunning que le rôle du réalisateur s'en trouve changé. Sur Mortel, par exemple, on faisait quelque chose qui s'appelle les tone meetings. En gros, je m'enfermais dans une pièce avec les réalisateurs. Casser l'épisode, je disais voilà cette scène-là en fait, on l'a écrite parce que ça et tu sais après ça va faire écho à ça et en fait on décortiquait l'épisode, on se posait toutes les questions possibles et en fait on savait que quand on allait partir en tournage il y allait avoir encore 1000 questions qui allaient se poser mais dans la collaboration avec eux, la base des bases c'est l'échange permanent en fait. Personne ne ferme la porte de son bureau à aucun moment et moi ma règle c'est la vision doit être ultra commune et pour ça en fait il faut sans cesse communiquer ses intentions. Ou dans mon dialogue avec les réalisateurs, j'ai toujours essayé au maximum de mes capacités de leur permettre de faire mieux leur travail grâce au poids que je pouvais porter moi et à leur place. Notamment sur tous les aspects de direction artistique en amont, etc., pour que eux, ils puissent au maximum s'exprimer à l'endroit du tournage, en fait. Et la seconde, c'est d'accepter sans cesse de remettre en question les idées et les envies si jamais il y a quelqu'un qui arrive avec une idée ou une envie qui semble plus intéressante ou plus signifiante ou plus originale que celle qu'on avait soi. Et du coup, moi, c'est quelque chose que je trouve très précieux et qui a l'air d'être menacé par le showrunning, alors qu'en réalité, ça peut ne pas l'être.
Et du coup, je trouve ça intéressant de le rappeler et de le dire très fort. C'est pas parce qu'une série a un showrunner que le travail du réalisateur n'a pas une importance aussi capitale que des séries où il n'y en a pas, en fait.